Rebonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais tourner la vidéo sur les bourses. Excusez, maman. Maman, ça va, j'ai failli tomber. Donc aujourd'hui, je vais tourner la vidéo sur les bourses. Ça fait trop longtemps qu'on me le demande. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Donc j'ai vraiment pris qu'est-ce qui était très précis et succinct. Donc les bourses d'études pour les étudiants étrangers. Donc, les bourses d'études, normalement, ça constitue un moyen, en fait, d'aider les étudiants étrangers, OK, à financer leurs études au Canada. Ces bourses d'études constituent une aide financière non remboursable, c'est-à-dire, en fait, qu'on te la donne, tu n'es pas obligé de la rembourser à la fin de tes études, on s'entend? Donc, elles sont généralement décernées, en fait, aux étudiants qui présentent un excellent dossier scolaire. Donc, je le dis souvent à ceux qui me contactent en privé, les bourses, c'est vraiment pour ceux qui ont un excellent dossier scolaire. On s'entend que si tu te débats dans les 10 de moyenne, ça va être un peu chaud. Donc, ces bourses-là aussi récompensent souvent l'expérience de travail et le bénévolat. Donc, je sais qu'en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est très courant chez nous de faire du bénévolat. Mais quand vous avez bénévolat dans votre CV ici au Canada, ça compte tellement comme une expérience. Si tu as été bénévole, je ne sais pas moi, pour une association, bénévole pour quelque chose X ou Y, ça compte tellement dans le CV au Canada. Donc, si vous avez l'opportunité de faire des bénévolats, ne déconsidérez pas un bénévolat par rapport à un stage parce que le bénévolat compte tellement au Canada. Donc, pour certaines bourses, il faut présenter une demande, on s'entend, mais d'autres sont décernées automatiquement. Les bourses d'études destinées aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier au Canada sont peu nombreuses. Vraiment, il y en a très peu. Et ces bourses-là font l'objet d'une forte concurrence et sont surtout offertes au cycle supérieur. Donc, ceux qui veulent venir en PhD, en doctorat, en maîtrise généralement, il y a plus de bourses dans les cycles supérieurs qu'inférieur, donc vous l'aurez compris. Donc voici quelques conseils et renseignements qui vous aideront à cerner les bourses d'études que vous pouvez obtenir. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que c'est toujours bien de commencer à chercher dans votre pays d'origine. Vous pouvez vous rapprocher du ministère de l'enseignement supérieur souvent. Je sais que c'est des affaires de réseau dans nos pays d'Afrique là. Quand tu connais quelqu'un qui connaît en fait toutes les bourses que le gouvernement peut allouer pour l'étranger, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir. Quand tu n'as personne, rapprochez-vous, faites-vous des relations, mais rapprochez-vous généralement du ministère de l'enseignement supérieur de votre pays. Donc, vérifiez d'abord si les bourses d'études et des possibilités de financement sont offertes dans votre pays d'origine. Des fois, vous avez des gouvernements qui vous, votre propre gouvernement qui vous octroie une bourse pour aller fréquenter à l'étranger. Communiquez avec le ministère de l'éducation, comme je disais, de votre pays afin de déterminer si vous êtes admissible à certaines bourses. Ne faites pas le travail à l'envers, ne commencez pas par le Canada, mais commencez toujours de votre pays de départ. Ensuite, vous devez communiquer maintenant avec l'université d'accueil, donc l'université où vous souhaitez aller étudier en fait au Canada. Vous communiquez avec le bureau d'aide financière de l'université où vous souhaitez étudier pour obtenir de l'information sur les bourses d'études maintenant que l'université elle-même accorde aux étudiants étrangers, ainsi que les lignes directrices, c'est-à-dire les conditions d'admission, enfin les conditions d'obtention de la bourse, qu'est-ce qu'il faut, nanana. Après, en troisième option, vous examinez d'autres possibilités. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Renseignez-vous sur les bourses d'études administrées par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, les fondations privées, les organismes à but non lucratif. Donc, il y a aussi maintenant, en dehors de... Quand je dis, vous avez d'autres organismes qui peuvent octroyer des bourses. Donc, comme on parlait ici, les fondations privées, le gouvernement provincial, j'ai cité quoi, et les organismes à but non lucratif. Hein. Donc, voici quelques ressources, en fait, pour vous aider. Je vais les laisser, je vais laisser tout à l'heure les liens dans la barre d'infos, si je m'en souviens, bien sûr. Donc, vous avez le programme de bourse internationale du gouvernement du Canada. Je suis sûre que si vous tapez ça sur Google, ça va aller vous amener à la page où vous allez trouver les informations que vous cherchez. Vous avez les bourses d'études supérieures du Canada, Vanier. Ça, c'est tout ce qui fait partir de la troisième, les autres possibilités en fait. Vous avez les subventions et bourses du Fonds de recherche du Québec.
Vous avez les bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, les bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Et cette fondation-là en particulier, Pierre Elliott Trudeau, chaque année, la fondation accorde jusqu'à 15 bourses d'études à des étudiants exceptionnels. C'est-à-dire, vous avez des magnifiques, magnifiques dossiers scolaires inscrits ou en voie de s'inscrire à un programme de doctorat en sciences humaines. En sciences humaines, ouais, c'est ce que je disais, les cycles supérieurs, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, 15 bourses chaque année aux étudiants les mieux notés qui sont inscrits ou en voie de s'inscrire à un doctorat en sciences humaines. Puis, ces bourses peuvent atteindre jusqu'à 60 000 $ par année. T'sais, si on t'offre une bourse de 60 000 $, comment est-ce qu'on va encore te refuser le visa? Donc, maintenant, ensuite, vous avez donc les bourses canadiennes du Jubilé de Diamant de la Reine Elisabeth II. Donc, je vais vous laisser, en fait, les 1, 2, 3, 4, 5 bourses des autres possibilités que vous avez, donc en dehors de votre pays et en dehors de l'université qui offre des bourses. Je vais vous laisser ça. Je vais le taper dans la barre d'infos et vous pourrez ensuite aller taper ça sur Google pour aller chercher donc toutes les bourses offertes par ces différents organismes. Donc, la vidéo n'est pas longue parce que j'ai voulu garder ça court. Quelqu'un m'a fait la remarque que les informations c'est bien, mais si les vidéos pouvaient être plus courtes, ce serait bien. Donc voilà quoi. Ça, c'est les vidéos sur les bourses. La vidéo sur les bourses. Donc je vais tourner d'autres vidéos. Bisous!